dans le parcours du combattant des Gabonais pour arriver en Bangster. Ça va. À part Jérémy là-bas qui est en train de me chauffer le mental aussi, celui-là, il fait tout pour se faire remarquer parce qu'il voit que le petit Mac est en train de prendre un peu toute un peu l'attention, pas toute, hein. Mais quand même, le petit Mac prend l'attention. Donc, il essaie de tout faire pour se faire remarquer, celui-là. Jusqu'à l'heure qu'il reprend les TikTok de la gloire, que les rigolos, non, vraiment, vous n'allez pas me pardonner, en fait. Les pages des Gabonais de divertissement, de quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas choisi les Gabonais. Je ne sais même pas quelle page. Je ne sais pas les médias Mandjango. Mon enfant fait même un petit truc. Au lieu même de cacher l'enfant qui est aussi votre enfant, vous mettez déjà, oh oui, voilà l'enfant décrit. Ah! Mon Dieu! On peut être mauvais comme ça. Au lieu même de cacher que, ah, c'est quand même l'enfant de notre soeur, on ne va pas quand même montrer, mettre l'enfant, machin. Non, vous prenez mon enfant. Vous partez mettre parce que l'enfant a dit cul dans sa bouche que oui, il a aquasiga, le cul, nanani, il met direct. Vous prenez, vous mettez ça maintenant, faut manger ça dans... Les chiens font les chats. Les chiens font les chats. Jusqu'à vous ne pouvez pas me cacher l'enfant. Oh, vous avez le ngoundé. Vous êtes mauvais comme ça. Donc voilà maintenant ce que l'enfant des créoles fait. Oh, l'enfant machin, oui. Moi aussi, c'est l'enfant de McDonald's. Et moi aussi, c'était l'enfant des... Il ne sait pas comment le père de mon père là. Et vous aussi, vous êtes des enfants des gens. Maintenant, il y a quoi qui est nouveau là? C'est comment? Oh! C'est un enfant de 16 ans, c'est un adolescent. Vos adolescents de 16 ans font quoi? Vous mettez ça sur Facebook, sur vos sales pages là. Vous mettez non, vous ne les mettez pas. C'est moi mon enfant, vous partez prendre. Vous n'avez même pas pitié que bon, ah, c'est quand même un peu l'enfant, le fils aîné, le grand frère de Mac. On ne va pas venir mettre, même si on cherche le buzz avec le trou de je ne sais pas quel trou que vous cherchez le buzz sur vos pages à cause de quelques commentaires minables. Les gens qui viennent commenter sont aussi minables que vous. Oh! J'espère que vos enfants le bac. J'espère que vos enfants ont même le riz pour manger. J'espère que vos vies glossent en fait. Quand l'enfant des créoles, il a dit ça. C'est bon. Je l'ai bien fait bastonner. C'est en France, j'ai appelé qu'il allait me bastonner. Il a reçu sa Bastille parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand vous venez mettre ça vraiment sur la place publique comme ça, là, l'enfant est parti faire les TikTok. Vous partez soulever les TikTok. Maman! Ah, mon fils. Je l'ai fait basse, j'ai appelé mes deux éléments à la PJ là-bas. Qu'allez-y me soulever celui de Nzaïon là-bas. On est parti le soulever, il a passé un sale quart d'heure. Ça va, j'ai déjà bastillé, puni, glossé, ça va. Vous êtes abonné chez Jérémy. On peut être abonné chez un petit enfant de 16 ans comme ça. Mon Dieu! Mais vous. Mais. En fait, c'est quel niveau de ndolo? C'est quel niveau d'amour que vous aimez vraiment ma famille, hein? Vous aimez ma famille. Mon père Marjos l'a arrêté dans le cœur. Vraiment sa fille dans le cœur. Mon frère Braque dans le cœur. Ma petite soeur Bilgi de la maquilleuse dans le cœur. Ma grande soeur Christelle dans le cœur. Ma grande soeur Nadège, Sophia. Tous les enfants de mon père et de ma mère, mes frères paternels, les soeurs paternelles. En fait, vous aimez beaucoup ma famille, hein? Aucun machin quand même qui a attrapé un peu le cœur que ah, ça c'est quand même l'enfant de créole. On ne va pas quand même aller mettre l'enfant quand même sur la page là-bas, l'enfant machin. Oh! Vous attendiez à quoi? Que je fasse un petit blanc, que Jérémy soit un petit blanc ou un petit asiatique. C'est un Gabonais, c'est mon enfant. Et il a l'image de sa mère. Où est le secret? Ou bien où est la grande nouvelle, la news, c'est quoi, c'est laquelle la news? Mais c'est mon enfant. Mon Dieu. Qu'on venez voir, c'est que vos enfants sont comme vous et vous êtes comme vos parents. C'est ça là. C'est la vie. C'est pas moi qui ai inventé ça que j'ai un enfant.
Venez voir l'enfant des créoles, il est à l'image de sa mère. Ah, vous mettez ça sur vos pages. Vous n'êtes pas des enfants. Oh non, vraiment, je suis pas du quartier en fait. Je suis pas du Gabon en fait. Je suis pas du Gabon. Je veux plus du Gabon en fait. Je sais même pas comment je vais faire. Je veux plus du Gabon. Les autres nationalités, le Congo, vous ne cherchez pas quand même une fille là-bas. Vous ne cherchez pas une star là-bas ou je ne sais pas moi quoi, la Guinée équatoriale, au Cameroun. Prenez-moi cadeau. Pour le Gabon, là, je ne sais pas en fait, je ne comprends pas. Les Ivoiriens, prenez-moi même pour des bons même que. C'est même plus comme belle-sœur ou quoi, mais moi-même, prenez-moi moi-même en fait. La France, la Suisse ou l'Angleterre, ou je ne sais pas moi quoi, l'Italie ou quoi, prenez-moi en fait. Les Gabonais veulent ma chair, même pas ma peau, ils veulent mes os, les Gabonais, je ne comprends pas. Oh non, dans les autres pays, on cache quand même un peu les enfants des machins. Vos enfants de 16 ans sont des prostituées, des tueurs, des drogués. Vous ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux. C'est mon petit garçon là qui a fait un petit TikTok du Leila Akwasiga nanani que j'avais fait il y a des années de cela. Il fait sur TikTok. Au lieu même d'aller le gronder que toi, Jérémy, efface ça. Tu fais ça pourquoi tu es un enfant. Au lieu d'aller gronder l'enfant, vous prenez vite que... Vous partez déposer sur vos grandes pattes pour montrer que voici l'enfant des créoles. Mais il va être l'enfant de qui? Il va être l'enfant de qui? Je vais même brûler ma marmite. Oh, de quoi? Je vais devenir l'enfant de qui? Mon enfant? Il doit faire quoi? Je lui remets dans le ventre. On peut être sorcier comme ça là. On peut être mauvais, mal intentionné. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des mauvais. Si c'était vos enfants, moi, Moussitou, là, je devais venir même gronder l'enfant. Je devais venir gronder l'enfant. Et toi, là, enlève-moi ça. Parce que je prends l'enfant là comme mon enfant. Au lieu de venir vouloir faire des sujets de bœufs, c'est quand même un enfant, hein, à un moment donné. Oh! Non! Non! Qui est? Il est une grand-mère. Le grand-père est déjà mort. Si vous avez même la possibilité de m'aller réveiller, même ma Kaya là-bas dans sa tombe, que viens vite voir Jérémy et puis tu retournes mourir. C'est quoi le projet? Laissez l'enfant tranquille. Oh! Là, le front là, l'ongunda là. Vous pensez que quoi? Je vais tuer mon enfant parce qu'il a dit ça. Parce qu'il a fait le TikTok. Je vais le punir parce qu'évidemment, je trouve que le TikTok est grossier pour son âge. Mais il a 16 ans. En janvier là, il va prendre ses 16 ans, il va rester 2 ans, il sera plus mineur en fait. Il sera majeur, il aura tous les droits qu'il veut avoir dans sa vie pour glosser. Ça arrive là, c'est dans 2 ou 3 ans là, c'est bon. Il serait un petit enfant de 4 ans pour toujours. Non! C'est quoi? Oh non, ça, vraiment vous les Gabonais là, vraiment non, aucune pitié hein? Aucune pitié pour votre artiste, hein? Maman Nangaï. Mais choqué, en fait. Choqué. Po. Alexia Queen, Alexica, hein? Mac dort. C'est ça le travail d'un bébé. Un bébé dort, en fait. Il mange, il dort. Il vient de finir la tétée, là. Là, maintenant, il dort maintenant. Il va encore se réveiller là dans 10 minutes. Là, il va encore prendre la tétée. Il va encore dormir. Il n'y a pas un autre métier pour un bébé. Donc, si tu ne vois pas Mac sur mon direct, c'est qu'il est en train de dormir, en fait. Alexica Queen. L'âge de Jérémy. Yeah. Il est né le 2 janvier 2006. À l'hôpital Schweizer à Lambaréné. C'est ma première maternité. Inoubliable, gravé dans mon esprit. Maintenant, hein, Alexica, si toi-même en tant que Gabonaise, parce que mon fils est Gabonais,
comme toi. Si en tant que Gabonais, tu vois, en tant que Gabonais, tu vois que bon, l'âge là que mon enfant a là, ça ne te correspond pas. Essaie maintenant de faire comme tu peux, maman. Mais même 70 ans, mais là, même 5 ans ou quoi, mais l'âge qui te convient en fait. Tu as compris, mon bébé? Essaie de mettre un âge qui t'arrange sur sa tête. Je sais pas. Montre-nous Mac Noël EK. Tu veux faire avec Mac en fait? Tu sais le monde pourquoi en fait? On va me prendre encore mon enfant et amener mon enfant sur les pages des Gabonais assoiffés de Congo ça. Je vais protéger mon petit Mac. Hein. Vous allez le revoir à 18 ans. Quand il aura 18 ans, c'est là que vous allez voir mon petit Mac. Je ne peux pas faire la même erreur que j'ai fait avec Jérémy, de mettre mon enfant sur les réseaux sociaux. Après, vous allez m'amener l'enfant partout. C'est fini, vous n'allez plus jamais voir Mac, c'est fini. Vous allez voir Mac à 18 ans. Quand il aura 18 ans, c'est là que vous allez voir cet enfant. Fatigué de vous, en fait. Ça suffit. C'est qu'un dolo, ça. On peut aimer quelqu'un comme ça. Oh! C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Oh là là. Je glosse un peu faux petit gloss là parce que les lèvres sont sèches. Ça fait mal. Non, je suis fatiguée. C'est même pas que je me suis calmée en fait. Quelqu'un me dit que la grande, tu mérites un dépôt, hein, tu t'es calmée. C'est même pas que je me suis calmée, mon bébé. Parce que je me suis pas vraiment calmée en fait. C'est juste que je suis genre choquée. Là, je suis au niveau des bobos. Choquée. Vous prenez les TikTok d'un enfant. Vous partez suivre un enfant pour attendre son erreur. Il fait les jolis TikTok là-bas. Vous ne prenez pas ça. Vous mettez que voici l'enfant de Jérémy, de Créole qui a fait un TikTok glossé. Non. Dès qu'il fait un petit TikTok d'un petit faux pas où il dit un peu cul. Faut les voir se bousculer pour partager. Chacun veut donner la news. Vous n'avez pas les enfants. Vous n'avez pas les enfants. Ah. Faina fille Odaga, je te réponds mon bébé. Je te fais un gros bisou. Bon voilà, je voulais vous dire ça. Sachez que on a un rendez-vous pour la ville de Tours ce week-end. Ce samedi, donc je compte sur tous mes fantastiques présents. Venez, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Voilà, vous savez que j'aime bien être proche de mes fans. Donc ça me fera plaisir de vous voir. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me laisser des liens pour pouvoir gérer mes problèmes de Casio là parce que le froid là va me boler tous les petits cheveux que j'ai ramenés là de Libreville là. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc voilà, bisous les gars. Bonne soirée. Je fais des gros bisous. Et puis voilà, on reste sur la page parce qu'il y a des bombes qui vont débarquer sur la page. Restez bien connectés. Partagez la page. Restez connectés. Allez, gros bisous. Mouah.